Salut les footeux, c'est Grisé. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous retrouver pour le 36e épisode de notre carrière manager avec Colchester United. Aujourd'hui, les footeux, on prend un tout petit peu de temps en début de vidéo pour discuter. Vous avez peut-être remarqué, si vous suivez la chaîne, qu'il y a eu un ralentissement des vidéos récemment. En fait, je l'avais expliqué dans un commentaire épinglé en dessous de ma dernière vidéo, l'épisode 5 de la carrière avec Leipzig. J'ai eu des gros problèmes avec mon PC qui fait que je n'ai pas pu filmer, je n'ai pas pu monter, je n'ai rien pu faire du tout. Et donc j'ai simplement épuisé le stock de vidéos que j'avais en avance. J'en avais quand même pas mal, peut-être presque 10 quand même. Donc les 10 dernières vidéos que vous avez vues, c'était du stock. Et j'ai tout épuisé et le jour où j'ai sorti la vidéo Leipzig, mon PC m'est revenu entre les mains et j'ai pu commencer à reprendre le montage et à essayer de refaire des vidéos en avance, etc. Donc, tout ça pour vous dire que le rythme, certes, s'est abaissé récemment, mais il va reprendre à la normale à partir de maintenant, c'est-à-dire une à deux vidéos par semaine. Mais le fait qu'on ait pris du retard comme ça, ça va aussi provoquer une chose, c'est que cette saison que je fais avec Colchester actuellement, c'est officiel, c'est la l'avant-dernière. Donc, on a encore deux chances pour remporter la Champions League. Après cette première victoire face à Arsenal pour le match d'entrée de cette vidéo, on va passer à la FA Cup, un match face à West Ham où on fait un tout petit peu tourner l'effectif mais on garde les grands classiques et je vous laisse avec ce match. Quelle fessée, victoire astronomique 6-0 avec notamment un doublé d'Akuna et un doublé de Simmons. On va maintenant parler un petit peu de transfert rapidement parce qu'on reçoit une offre pour Pokou que je refuse, même si c'est une très très belle offre de Leicester City, 71 millions d'euros, c'est astronomique. Une offre pour Hover également, 27 millions quasiment, je refuse également. J'ai envie de compter sur ces deux joueurs. On va continuer dans les coupes avec un match de Carabao Cup. Face à Arsenal, on avait gagné 5-0 à l'aller, il y a très peu d'enjeux, mais bon, on va quand même jouer ce match.
On passe maintenant à la phase à élimination directe de la Ligue des Champions, moment historique pour le club face au Shakhtar. Eh ben, je dirais qu'on s'est quasiment totalement mis à l'abri avec un petit 5-0, un petit doublé d'Hakuna une nouvelle fois. Et bah c'est bon ça. Petit point sur la première ligue maintenant, puisque on avance quand même, on est à la 26e journée, il n'en reste plus que 12 petites journées, on a un match de retard sur Manchester City qui est notre poursuivant, 62 points pour eux, 69 pour nous, autant dire que on commence à percevoir le titre, on commence à se mettre bien et les espoirs pour le titre sont quand même assez présents et j'avoue que ne pas l'avoir avec cette avance, ça serait une grosse déception. On va maintenant passer à la première finale de la saison, les footeux, la finale de Carabao Cup face à Reading. On va essayer de jouer ce match à fond et de décrocher le premier titre de notre saison.
Victoire à l'arraché en prolongation, match incroyable, 5 buts à 4 avec un quadruplé d'Acuna et un quadruplé de passes décisives de Velasquez, incroyable. Après notre victoire en finale de Carabao Cup, notre qualification FA Cup et notre match nul en championnat, on enchaîne maintenant sur le match retour de Ligue des Champions face au Shakhtar. Match que je vais suivre avec vous parce qu'avec la victoire 5-0 à l'aller, il n'y a vraiment plus de suspense et on va avoir droit à une masterclass de Velasquez qui va s'offrir. Vous le voyez déjà, un but, deux buts, le troisième il arrive, donc ça fait déjà le triplé pour Velasquez qui a fait donc un match retour assez incroyable. Il va même s'offrir un petit quadruplé tranquillement, donc 4-0 pour le match retour. Ils vont quand même revenir un petit peu au score avec ce but et également un pénalty inscrit en deux temps, et ce qui va nous faire un score final de 9 buts à 2. Il est maintenant temps de continuer la FA Cup et on va jouer contre Leicester. Gros match, Leicester qui a essayé de nous piquer Poku il y a quelques instants. Et ben on va essayer de montrer à Poku qu'il a bien fait de rester, qu'il n'a rien à regretter. Malheureusement, c'est une
très très grosse défaite et c'est sur ça qu'on va s'arrêter les footeux. Défaite 3-0 absolument pas représentatif de cet épisode qui a été plutôt bon. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les footeux.